cœur de la communauté haïtienne. La conduite d'urgence, ça nécessite une attention vraiment 360 degrés. Il y a des gens, malheureusement, qui ont des comportements sur la route qui font en sorte qu'il faut y suivre parce qu'ils pensent que, dans le fond, ils vont avoir un avantage. J'ai toujours été quelqu'un pour qui aider les gens, c'était très important. Se sentir utile, c'était très important. Comme une certaine forme de redevance, si on veut, de remettre. Puis ça permet aussi de te sentir valorisé, tu sais. Pas parce que nécessairement il y a un besoin de valorisation qui est trop important, mais de se sentir valorisé, de se sentir utile, de sentir qu'on est capable de faire la différence dans la vie des gens, c'est ça qui m'appelait. Initialement, moi, j'avais étudié en psychologie. Tu vas rire, mais je trouvais ça plate à mort parce que ça bougeait pas assez. Okay. Ça bougeait pas assez. De comprendre l'être humain, de comprendre les choses, d'entrer en relation avec les gens, c'était quelque chose qui, c'est encore quelque chose qui est bien important. Puis le fait de conjuguer adrénaline, comme tu en parlais tantôt, le fait de conjuguer l'action, d'être dehors, de continuer à aider des gens, de le faire comme paramédic, c'était ce que je voulais. 920.